Mais on fait toujours partie d'Ewa, non? Ma sœur dit qu'Ewa fait souffrir, qu'elle assombrit nos cœurs et nos esprits, qu'elle nous manipule et qu'elle nous ment. Plus que quelqu'un. Et qu'on soit effrayés pour nous faire taire. Faut pas mettre en avis, Alain. Nous contrôler. Ce qu'est la vie d'un Salento. Cette connexion à la Grande Mère. En France, on trie de mieux en mieux. Alors on ne lâche rien, triant systématiquement. Chaque jour, je m'entraîne pour Paris 2024, mais grâce à EDF, je m'entraîne aussi pour le Téléthon. Car avec l'appui EDF Sport Énergie, mon activité sportive s'est convertie en don pour l'association. Une somme d'énergie pour le Téléthon. On peut appeler ça la pagaille. Nous, on appelle ça la vie. Continuez à profiter de la vie. On sera toujours là pour manger. Le décembre, ça c'est sûr, hein, je peux faire un super saut de longe dans la mare, ce serait incroyable, mais quoi ça là-bas? C'est quoi? Ça a l'air fou, j'y vais. Lolo! C'était où? J'avais vu un truc cool. C'était où, les gars? Non, c'est la base. C'est la base du début. Ah, merde! Ah, mais quelle zone! Alors, en passage, il est vite, putain! Je suis persuadé qu'on va l'explorer comme un ouf, en fait, pas du tout. Je revenais simplement à la base. Parlez à Priya, très bien. Bon, alors on va faire la quête principale, les gars. Hein. Un peu qu'à monter. Ouais, ouais, ouais. Peut-être même le champion. Ouais. Je suis bien. Tout à l'heure, je l'ai tout le temps, je regarde sauter les parois. Ouais, ouais, ouais.
Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu vois où nous contrôlons la qualité de l'air dans toute la frontière occidentale, ici et dans nos labos. Ça s'est vraiment amélioré depuis la destruction du site de forage. Nous étudions les effets pour essayer de les contrer, en repoussant la RDA si possible. Ouais. Sinon, ils vont massacrer cet endroit. Comme chez nous. La Terre. Alma nous en a parlé. Elle t'a raconté toute l'histoire. Notre planète, c'est fini. Elle se meurt. Parce qu'on ne s'est pas battu pour la protéger. Et maintenant, on se bat pour la vôtre. On va changer la donne, ici, ensemble. Oh, cela qu'espérait de voir aussi. Je lui ai promis de pas oublier. Dis-lui que j'ai pas oublié. T'as pas oublié ? Quoi, dans ce camp ? La radio est morte ? Alors, continuer d'améliorer la qualité de l'air, détruire les installations et avant-postes. C'est possible. L'amélioration de la qualité de l'air peut être vérifiée au QG. C'est vraiment super de voir les arènes tout s'installer. Genre là, c'est 1% putain, la qualité de l'air. D'accord, on se croit à Pékin. Ça va mal se passer. Alors. Alors attends, du coup. C'est-à-dire. J'allais là-bas et que je tue les mecs, peut-être. Là, là, c'est-à-dire que je vais là et je bute les gens et ça fonctionne ou pas? Je suis pas sûr. Les installations et les avant-postes. Bon, bah, allons là-bas. J'ai l'impression qu'il y a de la tape là-bas. Allez, go. Les activités de la RDA. Mais oui, c'est les salauds, la RDA, bien sûr, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc moi, j'ai rien pour toi. Je viens juste de commencer. Je joue depuis 14 heures. Grosso merdo. Mais on a pris deux bonnes heures pour vraiment faire un débrief technique. BA. Tech, comme je fais des découvertes, j'aime bien rentrer un peu dans les détails. Donc on a vraiment tout regardé, la tech. Là, on rentre vraiment dans la phase gameplay. On va voir ce que le jeu a dans le ventre en termes de... Prends ça dans ton cul. Voilà. En termes de gameplay pur, quoi. Bon, le shoot est bon, déjà. C'est déjà pas mal, avec l'arc, en tout cas. Maintenant, on va voir si la boucle de gameplay n'est pas trop redondante, s'il y a de la diversité, etc. etc. Alors, c'est déjà, c'est un jeu Ubi qui est très soigné. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette impression de qualité chez Ubi. Là, on a vraiment l'impression de qualité. On sent qu'il se déchirait un peu la nuit. J'aime le battre, en effet. J'étais pas sûr de moi, je vais pas vous mentir. On va s'en sortir. Voilà. Oh oui, ça fonctionne. Il me faut absolument le truc pour avancer les chutes, je pense, parce que je vais pas parler à me péter la gueule. De manière grandiose. La verticalité à gérer, hein, j'ai l'impression. C'est pas évident d'aller d'un point A à un point B comme ça. Je pense qu'on va vite avoir la monture volante parce que la map est ultra verticale et avec mes petits bras, ça va faire une minute ou quoi. Le mec qui galère, en fait, ouais. C'est un peu de PLS, je veux pas monter et tout. Ouais. J'ai mal le canasson, tu vois. Alors, c'est peut-être aussi. Cet endroit de la map qui est très vertical, hein, j'imagine qu'il y aura peut-être des plaines ou des torrents plus tard et tout. C'est vrai que ce début de forêt. Début de forêt là, il est.